C'est sûr. Donc, voyons voir. Oui, alors ça, c'est une super maison pour la pâtisserie. Georges de Tout. Georges de Tout, enfin là où ça s'achète. Donc la dame m'a conseillé de prendre du colorant en poudre, parce que ça se garde beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup mieux pour les macarons, ma télé. Oui, ben en fait c'est là où se fournissent les pâtissiers. Quoi. C'est vraiment une boutique spécifique. Vous voyez la meringue comme elle est, elle est vraiment très épaisse. On va laisser ça là, de toute façon on va s'en servir après. Non, pour la même façon. Donc on a. Ça y est, le béton a pris. Ouais, ça y est. Non, mais je vais faire. Il y en aura un petit peu plus dans ce bouillon. Vous la repassez encore ? Non, non. Oui, celle qui va être à la framboise. Oui, on va faire 480, 220, 240. Oui, 240. Après, on fait quoi avec ça? Un colorant. On va mettre une pointe de couteau, je vous laisse l'ouvrir. Oui. Mélangez pour un petit peu. Vous prélevez une petite quantité, donc vous allez juste les incorporer à la pâte d'amande. C'est pas trop. Il ne reste plus que ça. Non, brun. Alors là, un couteau. Donc je vais prendre un peu de ça et je mets là-dedans. Oui, au fond, c'est un couteau. Juste pour le design, ça. Non, ça n'a pas assez. Ça, je pense qu'on pourra en rajouter si la couleur ne convient pas. C'est très fort. Hein. Il n'y a pas trop de là. Oui. Alors, de notre côté, tout doucement, on mélange les deux, c'est ça? Voilà, tout doucement, on mélange les deux. Ah, c'est bien, c'est clair, comme ça.
Parce que ouais, comme il y en a sur le côté, je pense que ça va. Ah ouais, c'est... Et les quantités, les avoir aussi précises, c'est important. C'est important. Ouais. Marche, te mélange. Oui, le combat reprend. Et dire que ça va être mangé, donc ça sert à rien. C'est clair. Mais ça va être mangé par ma bouche, donc ça va être différent. C'est-à-dire que si on... Tout le monde ne peut pas dire qu'on a fait des macarons dans sa vue. Ouais. Ouais. Bon, après, des fois, il la barbe faut à papa, c'est plus simple. Ouais, faut, voilà, c'est encore plus, voilà. Ah non, mais ça s'achète. Il faut juste. Un tourniquet. Non, mais moi, j'ai pas du matériel comme ça. Moi, j'ai fait ça avec le. Avec le batteur, le batteur, ça, oui. Le batteur, ça marche. Hein. Oui, oui, mais c'est vrai que ça quand on est comme quoi dire, il faut tourner longtemps. Hein. Voilà, et puis si on le tient, quoi. Là, on le tient, voilà. C'est pas là, on le laisse tourner. Ouais, c'est pas le fait. Bon, voilà. Ouais. Manuellement. On va commencer à mélanger forcément. Ça y est, ça va. On va commencer à en dresser là et à mettre à cuire. Tu veux intégrer tout ça? Ouais. Tu peux commencer à en prendre. Et les jambes d'eau, on les met pour en effet, il y a toujours des pertes. Hein. Ouais. Ben, la pâte. Mais disons que je pense que c'est un peu confus avec cette perte. Là, ils ont. Je pense que tu peux déjà intégrer. C'est mieux de faire un petit à petit, ouais, pour pas de la pâte. Ouais, non. Pas maintenant. Ah, ou il faut. Avec une spatule en plastique. Plastique ou quoi? Ah ouais, une spatule en plastique. Marie, ça. Ouais, Marie. C'est quoi, Marie? Une spatule en plastique. D'accord. C'est ça? C'est ça, ouais. C'est son vrai nom. Je vais la sécher. Les spatules, c'est alors, en bois, en plastique, en plastique. Il y en a une autre. Est-ce que c'est en bois? Ça s'appelle comment? Une patule, ouais. Dans le pour la grande. Voilà. Je suis pas tôt. Non, c'est-à-dire, si tu veux, là, tu vois, en bois, c'est la marie, ça sert vraiment à racler. Tu vois, la ligne, ça sert à racler. Alors, la patule, c'est les tout. Ouais, il faut mélanger un peu plus doucement, mais bon, là, de toute façon, c'est pas comme quand on fait les macarons à la française, où il faut vachement faire attention à pas casser le truc. C'est comme un glace, il casse pas. Oui, mais c'est moins. C'est moins que pour les macarons à la française. Ouais. On ne met pas la meringue à l'italienne. Bon, il faut quand même mélanger toujours dans le même sens. Alors. Tu vas regarder un peu ce que je fais aussi. Je montre. Il ne faut pas touiller dans tous les sens. Ça fait un peu vite alors. Non. Non. On passe en dessous. On soulève. On passe en dessous, on soulève. On met la pâte. Et on tourne son saladier. Bah, comme quand on intègre des blancs d'œufs dans une mousse au chocolat, par exemple. D'accord. Allez. C'est, il faut pas poigner. Hein. C'est déjà pas mal là, ça forme un petit peu.
si beau. Joli ce rose. Ah, ouais. Et c'est, celui-là, c'est du très coup, garni. Ça va très bien. Il y a plus de... Il est plus souple. Celle-là, il est plus souple. Oui. Parce qu'il y a un peu moins d'amande, du coup, avec ce qu'on a enlevé. Mmh. Et c'est plus souple. Celle-là, elle est très fraîche. Vas-y, Marie. Vas-y, Marie. Tu me dis quand tu veux ton robe. Ah oui, alors j'étais en train de faire ça. Mais voilà, pour les pour avoir les bonnes tailles. Ah. Voilà. On va faire ça avec la robe. On va même pouvoir après. On va voir combien ça nous fait. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal quand on va monter un peu. Donc en partant, vous prendrez bien les modèles à chaque fois là. Et puis en fait, il y en a trois des recettes. Ça doit être un moment important, plus personne ne parle. Ceux qui touillent, c'est plus rajouter une bande de cerveau, la respiration. On entend même le frigidaire. Non, faut pas regarder ça, oh, c'est pas vrai. Ça c'est plus bon. Ça a l'air. Tu peux me montrer? Oh, c'est bien. C'est bien, Marie. Il y a la poche à douille qui est prête. Tu la gardes. C'est de la bidouille. Oui, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est s'amuser à tracer à la main. Mais alors là, ça prend vraiment longtemps. Ouais. C'est ce qui doit être indiqué sur la recette. Mais bon. De faire la main. Ouais. Non, moi aussi, bon, si tu prends un gabarit, tu prends un verre et tu t'en fais le tour. Tu vois, ce qui est indiqué, c'est de. Avec le compas. Ou avec le compas, non, mais avec un verre. Non, je rigole, parce qu'avec le compas, il faut aussi prendre les doigts. Ouais, on peut déjà trouver un compas. Ah, ça va pas ça. Non, mais quand on a le pot avec la douille, ça vient tout seul. Non, mais bon, l'idée c'est quand même plus d'être. Il faut qu'il ait un peu une tête de vainqueur de cette maison, sinon. Ça fera louche, sinon. Sinon, c'est louche. Sinon, on va se faire aligner par la concurrence. Faire croire que justement, ils ne sont pas de la carrière. Je pense qu'il va falloir que je tiens mes manches là. De quoi? Super cool. De la face? Non, c'est bon. Si on fait pas tous les. Ça ira, ouais. On va se débrouiller comme ça. Ouais.
possible. Donc on part du centre. On tourne. C'est pour ça qu'on a un petit modèle. Et puis là. Oh, trop beau. On peut partir aussi de l'extérieur. Ça marche aussi. Et voilà. À vous ? Ouais, on tourne. Là, on appuie. Et après, on, au moment où on aura tout fait, on va claquer un peu la plaque. On va virer ça, notre plaque. Papier là. Ouais. Claquer un coup la plaque contre le marbre, ça les, histoire ça de faire unifie. Monter toutes les petites bulles d'air, ouais. De les uniformiser et hop, au fond. D'accord. Bon, je vais essayer de racler plus là. Je sais pas si vous en avez envie. Elle est pas un peu épaisse, la pâte. Hein. Elle est un peu épaisse, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'on l'a tamisée moins fin. Ouais, c'est pour ça. Je vais te laisser finir en fait. Ah. Rose immédiatement. Il y a quelques grains de poudre. Je vais goûter le blanc là. C'est normal en colorant. Il n'y a pas de goutte de la peur, hein. Voilà. Ça y est, ben c'est très bien. On garnit la poche à l'eau, ouais. Là, et hop, on s'y met. Voilà. Ouais. Voilà. Il nous reste une demi-heure, ça devrait être bon. Comment ça s'appelle, une poche à... À douille. Ah, merci. Garnir la poche à douille. C'est vraiment très rose. Ça veut dire qu'il y aura un mélange. Merci. Ouh. Voilà, ouais. On peut la remplir plus. Alors attends. Alors faut faire gaffe après, ouais, ne pas faire tomber. Celui-là, ça va être un peu dur. Le trou est vachement plus gros. Donc il va falloir. Ah, d'accord, bon bah. Bon, si ça va vraiment pas, je peux peut-être mettre le trou plus fin. Hein. On va peut-être changer d'entrée. On change ? Ouais, je crois que ouais. Non, mais c'est pas grave, hein. On peut le changer en cours de route. Ah, on peut changer le détour. On va pas trop faire des amas. Normalement, il faut une épaisseur de pâte, quoi. Ça, c'est. C'est pas bien. C'est pas terrible. Comme on va secouer après. Oui, mais il faut quand même s'appliquer au départ. Hein. Non, c'est plus c'est régulier, mieux c'est. On les voit faire comme ça, les chats. Ouais. Chats. Non, mais après, c'est un tour de main. Hein. Ouais. Les pâtissiers, avec une poche à douille, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font... C'est fait. Et dans les dessins animés, c'est encore mieux. Ah oui. Ça y est. Tu peux voir avant, ah, bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'y a pas fait. Ah non. Mais tout le monde a essayé ? Oui, oui. Ça colle. Je vais faire
Ah ouais, là c'est carrément rose. Là. Ouais. On dirait des myrtilles. tu vas dévisser le blanc. Mm-hmm. Changer de téton, comme tu dis. Oui, non. Non. Vous en voulez pas ? Vous ne pourrez pas me corrompre. C'est super. Bon, bah le premier, ça sent pas la framboise. Non, mais avec du sucre. Mais non, mais ça sent pas la framboise. Il y a pas de framboise, là. Il n'y a pas de framboise. C'est comme colorant. Ah, d'accord. Alors, c'est conforme. Non, il n'y a pas de framboise. La framboise, elle vient après. D'accord. Alors, tu fais un gaffe ? Ah, pardon, je suis désolée. Ça ne va pas te filer, ça. Yeah. Ouais, je vais juste me renseigner maintenant pour que ce soit plus. Vous voulez continuer? Allez Marie. Ouais. Voilà. On va peut-être remplir la douille. Ça va remplir. Oh, oui, bah, on va finir mal. Ça, ouais. Ça y est, prête? Ouais. C'est mieux de commencer par le centre ou par l'extérieur? Ça dépend. Non, ça, il faut pas. Enfin. Oui, vas-y. Je la tiens un peu basse. Alors, au niveau de ma main gauche. Donc, on peut pas en faire. Mettre de la pression, oui, en fait. Normalement, c'est avec ça que tu appuies. Cette main-là que tu appuies. Il faut la tenir très verticale. Et alors, l'autre main, je pense que la mettre très bon. Non, vas-y, bien, comme ça. Pour faire moitié marron, moitié rose, comment on fait? C'est pas possible. Mais là, avec cette main-là, il faut appuyer. Oui, mais ça peut être parti. D'accord. Ma petite papier. Je vais essayer encore. Je pense que la dernière, c'est un peu pas mal. Ben oui, non, mais attendez, c'est normal. Hein. Faut de la pratique, hein. J'ai envie de...